C'est Brown, c'est vous. Merci beaucoup. C'est Brown, c'est vous, comment allez-vous? Aujourd'hui, making off. De qui? De Didico, un artiste zouk. Avec C'est Brown, c'est vous. Un ouai. Fais parler les gens. Même s'ils disent du mal de nous. Même si tu n'es pas la plus belle. Je t'en prie, ne sois pas cruel. Toujours ce qu'on croit. Il a ses peines, il a ses joies. Je doute pas, j'ai fait mon choix, mon choix. Comment tu vas? Comment va? Yo, ça va ou quoi? C'est Brown, c'est vous. Tranquille, tranquille, on est là, ça pépère va? Ça va ou quoi? Donc t'as vu, comme prévu, ben C'est Brown, c'est vous est là. Comme c'était prévu dans le contrat. Pardon, excuse-moi. Donc, alors Amine, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Là, je suis avec le CEO de Activist Music Group. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton label? Bah alors, Activist Music Group, depuis le mois d'avril que ça existe, AMJ, je suis le président. Attends, CEO. Donc en fait, non, c'est très simple. Activist Music Group, bah, il y a moi, Didi Coher et Stetchy, les deux artistes. Je passe quand même un big up à Pacho de Bank. Qui est ici. Et bah là, j'ai deux artistes, un en rap US et un en zouk. Ça commence à tourner. Là, on est en direct du tournage de Didi Coher pour son titre, ma préférée. Moi, je suis artiste aussi, hein. T'inquiète. Ah ouais. Voilà, donc si t'as besoin d'une troisième signature et un truc plus officiel, vas-y. Je te fais le speech. Vas-y, t'es prêt? Écoute ça, écoute ça. Attends la suite. Tu vois, parce que t'as un artiste carré et zouk, moi je vais la faire zouk, carré, douceur. Vas-y. Vous êtes prêts? C'est parti. On se prépare. Attends. Ouais. Taf, taf, ça taf dur. Pour ton making of, on assure. C'est Brown, c'est vous, perché dans le futur. Viens. Et là, je sais plus. Laisse mon artiste chanter, s'il te plaît. Okay. Pourquoi justement avoir choisi le zouk? Pourquoi t'es orienté vers ce style de musique? Bah écoute, depuis petit, j'écoute du zouk. J'ai toujours été baigné dedans. Ma sœur aussi chante du zouk. Mon père chante du zouk. Donc écoute, c'était pour moi. Obligatoire que je chante du zouk, on va dire, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'aime principalement, comme je suis originaire des Anci, mais je fais pas que du zouk, je fais aussi du R&B. Moi je me dis d'un côté, le zouk c'est beau, c'est bien, mais c'est pas un peu la musique des lovers repentis? T'as baisé avec... Écoute, bah écoute, non, franchement, moi le truc, le concept que j'apporte, c'est que écoute, j'ai pas envie de faire du zouk comme tout le monde qui pleurniche, etc. Moi je veux apporter un zouk et essayer de mélanger des termes qu'on trouve dans d'autres sons et les mettre dedans, tu vois, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, comme mon premier single Jalousie. C'est vrai que c'est un terme qu'on n'écoute pas. Ça a bien marché d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Bientôt je serai la troisième signature de AMG Group. Mmh. Ok, bah écoute, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Voilà, c'est Brown, c'est vous. Bientôt chez AMG. Je te jure, là il a. En plus, Amine, t'as pas dit, il a kiffé ce que j'ai fait. Hein. Ah ouais. Ça taffe dur. On fait un duo, ça va s'appeler Le Zouk te fait vraiment mal. C'est Brown, c'est vous, je suis en compagnie de Morgane, qui est l'une des figurantes du clip de Didico. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être figurante pour cet artiste Zouk? Bah, je suis très honorée de faire partie de son clip, qui m'ait choisi moi en fait, plutôt qu'une autre. Qui l'ait choisi moi plutôt qu'une autre? Bah, oui. En tout cas, c'est bien d'être figurante pour une femme. Ah ouais, pourquoi? Parce que vous parlez pas. Donc là, je parle pas là. Bah non, mais non, mais attends, rentre pas dans ton rôle de figurante, hein. Juste que c'est bien parce que y a pas de. T'es juste belle, tu fais comme ça. Fais comme moi. Non. Alors dites-nous une chose, monsieur le réalisateur du clip de Didico. En quoi consiste le plan que vous êtes en train de tourner là?
Alors, en fait, ce plan, c'est la sortie donc, de Morgane. Donc là, on est à la fin du clip. Donc Didigo, enfin Didico, pardon. Ça vous arrive aussi. Et donc voilà, refait. Si vous voulez, le concept du clip, c'est que Didico arrive, donc il chante pour sa belle, en fait. Donc il essaie de reconquérir son cœur. Elle habite dans le bâtiment 6. Elle veut pas descendre. Donc il chante. Bon, à la fin, quand même, voilà, comme ça, un clip, c'est Didico. Bon, c'est clair, voilà, il arrive toujours à trouver la combinaison. Donc à la fin, voilà, Morgane. Tu vois, au début, elle est en pyjama. Donc là, elle sort fouap, elle se change et puis elle descend tranquille. Tu changes vite, hein. Et donc elle descend. Et donc c'est cette scène qu'on va filmer. Donc la scène où Morgane descend pour voilà, la réconciliation. Allez, là, vas-y. Ça passe, ça va. En fait, c'est passé, c'est que là, on a fait un basket. On s'est fait défoncer par AMG. C'est abusé. Et là, c'est. Il y a la revanche. AMG, on vous attend là. CVCV versus AMG, on vous attend là. D'ailleurs, j'ai fait une technique bizarre. C'est clair, il a fait. C'est une douille. Non, c'est la vérité. Bien fait. On est assuré. Là, je suis en compagnie de Stagey. Dis-moi, tu penses quoi de la chanson justement de Didico? Très bon son, dès que j'ai entendu, j'ai écrit mon texte rapidement. C'est un bon son, franchement. J'ai beaucoup aimé. J'aurais pas aimé, j'aurais pas posé dessus. T'es clair. Ouais, voilà, je l'aurais dit directement, mais très bon son, franchement, j'ai posé dessus. C'est arrivé directement, je l'ai envoyé, il a kiffé, on a décidé de clipper, et puis voilà quoi. Bonjour, c'est Blonde, c'est vous, dédicace à vous, vous êtes les meilleurs. Voilà, c'était C'est Blonde, c'est vous en direct avec AMG. Didico.